Vous m'interrogez sur l'hydroxychloroquine. Alors, l'hydroxychloroquine, comment ça fonctionne? Donc, en fait, l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, avec les centres de pharmacovigilance, a en permanence des remontées sur la dangerosité de certains médicaments. Visiblement, l'Agence de sécurité des produits de santé, l'ANSM, a des remontées sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, sachant que son homologue, la chloroquine, est déjà vendue sur ordonnance depuis 20 ans. L'hydroxychloroquine ne l'est pas, elle est en vente libre, et j'imagine, je ne l'aurais pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accident. Demande à l'ANSES d'établir un avis sur la dangerosité, alors je l'ai remonté. Donc c'est un avis de novembre 2019 où l'ANSES dit qu'il demande au ministère de classer ce médicament dans les substances vénéneuses. C'est l'ANSM ? L'ANSM. Donc mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments et que moins on en consomme, mieux on se porte. Les propos en question remontent au 24 juin dernier. Devant la commission d'enquête de l'Assemblée sur le coronavirus, le professeur Didier Raoult faisait des déclarations polémiques sur le taux de mortalité dans les hôpitaux de Paris, plaçant celui-ci à 43% en réanimation au sein de l'APHP contre 16% à Marseille. Voici aujourd'hui la réponse de Martin Hirsch à ces déclarations qui mettent gravement en cause l'APHP, faite sous serment, me semble s'apparenter à un faux témoignage. Il me semble essentiel, continue-t-il, que les travaux de la commission ne puissent être fondés sur des éléments factuellement faux et que les suites qui s'imposent puissent être données. Une contre-attaque qui satisfait beaucoup de médecins, dont le docteur Éric Combe de la Pitié-Salpêtrière. Écoutez. Je trouve que c'est un scandale de dire ça de collègues médecins. Pour moi, ça s'apparente pas du tout à un faux témoignage, hein, ça s'apparente tout simplement à de la diffamation. Et rien, absolument rien, ne lui permet de dire ça dans la manière dont les patients ont été traités à Paris. C'est vraiment des propos qui, je trouve, absolument inadmissibles. Pour Paris, je confirme, hein, pour les malades en réanimation, je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. Pour Paris, je confirme, pour les malades en réanimation, je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. Confirme, pour les malades en réanimation, je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. Pour Paris, je confirme, pour les malades en réanimation. Je confirme, c'est de l'ordre de 40% malheureusement. Mais Marseille, je sais absolument pas.